C'est reparti. S'amuser. Et on va faire un avant d'horizon. Là-dessus. Je vais lui signaler que t'es disponible. Elle le dira pas, mais je sais que c'est important pour elle. Salut Jérémy. T'es si proche du temple de la renommée que je pourrais presque t'y faire entrer en douce. Mais que les choses soient claires, hein, je le ferai pas. Rien de faire quoi. Oh putain, non, que j'ai pas fait ici. Dans 400 mètres, tournez à gauche. Faites demi-tour dès que possible. Oui, c'est le bon chemin. De son arrière-grand-père. Je crois que les Mexicains aiment bien les coccinelles. J'en ai déjà vu une bonne centaine, moi. Ah, y en a une devant le studio. Attends. Celle qui cherche, c'est pas un modèle 2016 rose flashy. Ah, peut-être pas, je sais pas. Bon, hey, oh, j'ouvre quand même l'œil. Hein. Salut, on se voit comment ça. Bon son. Oh, c'est arrêté d'un coup, là. Dans 400 mètres, prenez le virage serré à gauche. Vous avez atteint votre destination. Qu'est-ce que je me disais, j'ai un endroit... Écoute, j'ai une épreuve à la con. Faites demi-tour dès que possible. On va faire les granges au final. J'ai trop envie. Grange. Voiture tout terrain. Et on monte sur le Warthog. Ah, je vais bien et toi? Enfin, je vais bien. M'amuse sur ça.
Et là, tu vas voir El Famoso. Prenez le virage serré à gauche. Warthog. Nouveau calcul de l'itinéraire. Merde. La belle merde. Oh merde. Je peux pas faire mon truc. Je sais pas comment aller. Ah, c'est con. Dans 400 mètres, tournez à droite. Dans 400 mètres, tournez à gauche. Voilà, on les trouve facilement les granges. Oh, j'ai une tête de vainqueur pour mon masque. C'est un moteur émis 7 litres qui développe 425 chevaux. Et ce qui reste d'une Dodge Dart. Ramenons-la au garage. Aide-moi. En état. Attends de voir. Non, go là-bas. Ça. Faites demi-tour dès que possible. Hop, niveau 71. Dans 200 mètres, tournez à gauche. Rage. Tournez à gauche. Alors. Maintenant quoi de beau Enzo, raconte-moi ta vie. Ça joue à quoi en ce moment? C'est des vrais jeux j'espère. Dès que possible. Dans 400 mètres, tournez à gauche. Vous avez atteint votre destination.
Putain, c'est cadeau. Wesh. T'as tout niqué. C'est nul la tablette. Ah bah. Tu m'étonnes que les collectionneurs américains la voulaient. C'est une Viper. La CR, je crois. Ouais. V10 de 8 litres. Presque incontrôlable sur route. Mais si t'y arrives. Tiens, aide-moi. Oh, c'est gentil. T'inquiète. J'imagine. Non. Un score de prouesse de 10... 10 millions ? Bon, ça fait combien de burn-out et de clôture et... Faites demi-tour dès que possible. De moyenne. C'est sérieux? C'est bien. Nouveau calcul de l'itinéraire. Vous avez vu ce numéro clignoter sur les écrans du festival? C'était quoi ça? Le code barre d'un produit dérivé? Un numéro de référence pour la collection de vinyles de Vals Arena? Bah sinon, t'en penses quoi du jeu? Composé pour joindre le Royaume-Uni depuis le Mexique? Ah, me dites pas que c'est un score de prouesse totale, parce que je vous croirais pas. Hein. Ah, non. Hé, hey, la superstar. Si tu veux convaincre Scotty, va falloir le refaire. Dans 400 mètres, tournez à gauche. Oh, arbre de merde. Nouveau calcul de l'itinéraire. Les granges débloquées. Waouh, ça, c'est une voiture historique. Une Corvette, une des premières. Elle doit être de 1953, peut-être. Je vais travailler dessus et je t'a... Bon. Non, j'avais vu une course. J'avais pas faite, ouais. Là. J'avais zappé. Appel. Faites demi-tour dès que possible. Oh, pas petit level ça.
Dans 400 mètres, tournez à gauche. Les plus gros tubes, jour et nuit, tournez c'est à gauche. C'est sur l'horizon, Mazarena. Nouveau calcul de l'itinéraire. Dans 400 mètres, tournez à gauche. Dans 100 mètres, tournez à gauche. Dans 400 mètres, tournez à gauche. Calcul de l'itinéraire. Dans 200 mètres, tournez à droite. Dans 400 mètres, vous arriverez à destination. Vous avez atteint votre destination. J'avais oublié cette course. Attends. Elle est où? Même les bots, ils arrivent même pas à contrôler leur voiture quoi, dans un viral. Sérieux.
Oh ouais, il y a une sorte de Formule 1, l'enculé. Oh, il trace. Quel connard qui a mis un point de contrôle ici. Je triche. Bon, c'est avant qu'il faut rembobiner avant. Dans 3 heures le nouveau 4 heures 3h50 LC Bon sinon on en parle de l'aventure que... Ah, salut Joker. C'est autre chose, où je l'avais. Faut attendre qu'il... Ouais, bon. Quoi ? On va faire le Goliath. Ah, ça j'aime. Je vais commencer à réunir l'équipe au sol, les commissaires et les barrières. Des tas de barrières. Les amis, c'est votre pote Scott. Salut l'ami. Fais le tour de l'an. Paraît qu'on a le feu vert pour le Goliath. C'est génial. J'espère que tout est prêt de ton côté. Vu comme tu pilotes, tu risques de faire tout le Mexique en un après-midi. Comme ça que pense notre superstar. C'est l'heure du Goliath. La plus grande course sur circuit de toute l'histoire d'Horizon. Alignez-vous au départ ou... Sarena, on vous mettra encore plus de bon son. Demi-tour, dès que possible.
demi-tour dès que possible. Ah bah ça va. Ah peut-être bientôt la PS5 pour toi Joker. En plus normalement il y en a qui arrivent. Ah, les stocks ils arrivent. Super. Étoiles, c'est magnifique. S'envoie. En fait, c'est marrant. Tu parles plus que tous les autres pilotes d'Horizon réunis. Mais tu sais quoi? C'est pas fini. La sélection du festival est bourrée de récompenses exclusives et de pilotes qui vendraient leur chemise pour se mesurer à une légende comme toi. Je crois que t'as réussi. Dépêche-toi de venir. Tu entres au temple de la renommée. Dans 100 mètres, tournez à gauche. Dans 100 mètres, tournez à droite. Bah, franchement, c'est bien Rocket League quand même. C'est le meilleur jeu de foot de tous les temps, mieux qu'un FIFA. En tout cas, t'as plus de fun qu'un FIFA. Après, faut savoir maîtriser le jeu quand même. Tournez à droite. Tournez à gauche. Dans cette nouvelle épreuve du test, merci d'être là. Donc, on peut faire équipe pour vous affronter. Mais parce que vous êtes des pilotes chevronnés, non? Parmi les plus coriaces du plateau. Ok. Est-ce que nos superstars ont la moindre chance contre vous? Voilà, chers amis d'Horizon, ils sont pas très bavards et ils sont bien flippants. Inscrivez-vous dès aujourd'hui si vous l'osez. Ça a l'air énorme le circuit. Je sais pas si c'est le bon moment pour te donner cette information. Mais le Goliath du Mexique est officiellement la course la plus longue de l'histoire d'Horizon. Pardon? Alors, bonne chance. Là je vous lis pas, parce que là j'ai un gros tour de terrain de la map à faire.
J'ai pas vu le virage. Prendre contrôle de merde. Oh mais je suis une grosse merde, putain, c'est affreux. Alors, le problème c'est que j'ai amélioré ma voiture, sauf que du coup comme je suis en catégorie S2, il y a des voitures qui sont plus haut en S2. Du coup faut que je prenne une voiture optimisée dans son niveau, mais à la limite. Non, c'est pas. Là, le problème, c'est que vu comment je l'ai amélioré, t'as des mecs trace sa mère. Je prends la Macarena. En plus, Joker, si tu veux en PC, tu vas pouvoir jouer à Halo Infinite avec nous. Vu qu'il est free to play. La voiture pue la merde. Oh mais... C'est même pas maniable. Je crois que je vais reprendre ma larbo, hein.
Ah, ça va être compliqué de faire la course, hein. Oh putain, pourquoi il vit dans le décor, sérieux? Et lui, putain, il me dépasse pour que... il me gêne, quoi. Ah oui, c'est vrai, il y a le virage de merde. Et lui, il me pousse. Des fois, j'ai bien tourné, ça tourne facilement, des fois, ça veut pas. Le premier veut pas être attrapé, hein. Bon, alors, tu sais quoi? On va recommencer l'épreuve, je vais baisser la difficulté, parce que... malgré la voiture que j'ai, la catégorie, t'as toujours une voiture qui fait... wap, ligne droite, je peux rien faire.
Même en moyen, j'arrive pas à la rattraper, hein. Putain, enfin. Par hasard, il y a un rocher ici. Le doux, putain, drapeau était. Mon rétro a touché le drapeau, ça l'aurait compté. Il y aurait eu un accident là, l'autre voiture ou quoi? Je la vois plus du tout. Putain, c'est quoi le pire? Et je crois qu'on a même pas fait la moitié, parce qu'on a même pas encore atteint la plage de l'autre côté. Ah si, on arrive seulement à la plage. Là, on va arriver au désert. Ah putain, ils arrivent derrière. Ils me rattrapent, ils ont enculé.
pas les mêmes voitures. Ah, c'est bon, on arrive à l'extrémité d'un côté. On va y arriver, j'y crois. Presque 9 minutes de course. Je sais même pas où je suis dans la carte. Et là on arrive face à la jungle. C'est la gueule l'autre. Ah c'est rare que je passe par là. Imagine tu perds la course au dernier moment, tu dois tout recommencer, la haine. Ce genre de conneries que je fais, quoi.
Putain, eh. On a même pas encore la plage, on est loin. Connard d'arbre. Mais connard d'arbre, putain, c'est qui le mec qui a mis au bord de la route? Ah, je suis obligé de revenir en arrière. J'ai pas de bidasse dans ma rue. Ah, il y a des virages de la mort. Putain, mais c'est intensissime, on se rapproche de la fin en fait là. Presque 14 minutes la course. Pas de soucis, t'aider les gars à la prochaine. Ok, pas de soucis, Joker. Quoi maintenant? Ça tire? Oh, c'est de la merde. Automobile mexicain à horizon et je suis coincé au QG. Je l'ajoute à ton planning. Du gros son pour les voitures puissantes sur horizon. Les amis, vous savez que Bass Arena a toujours été votre source d'information pour tout ce qui concerne la lucha. Comment ça, non? Toujours est-il que le légendaire El Campeón sortirait de sa retraite pour enseigner la pratique ancestrale du catch automobile aux pilotes du festival. Excitant ça, non? C'est peut-être la meilleure chose qui soit arrivée à ce festival, excepté votre serviteur. Ne changez pas de station, ça va envoyer du bois. C'est ce qui se fait quasiment dans le jeu là, de radio en direct dans le... Vraie radio, pas un truc pas enregistré, tu vois. Vraie radio, c'est marrant. Non, je pensais qu'en rajoutant des tampons, débloquerait d'autres courses, et en fait, non. Bon, on va enchaîner tous les gros trucs d'un coup.
catch automobile. Voici El Campeón Misterioso, l'un des plus grands combattants de lucha de carreteras du Mexique. Campeón, je te présente le pilote dont je t'ai parlé. Ça s'est bien passé. Hein? Quoi? Ça veut dire qu'El Campeón va t'entraîner. Mais tu dois lui prouver que t'en es digne. Je t'ai préparé une voiture. Bon, ce que tu dois faire, c'est faire glisser la voiture. La lucha de carreteras, c'est de l'agilité, de la vitesse et de la précision. Ouais, ça peut se faire. La lucha libre est le sport de combat le plus célèbre du Mexique. La lucha de carreteras est un mélange de lucha et de course. C'est pour ça qu'il faut la bénédiction d'El Campeón pour le festival. Cette manche. Longue ligne droite. Droit à droite. Virage à gauche en approche. Le Mexique vénère les héros de la lucha libre. Il est donc crucial de recevoir la bénédiction d'El Campeón pour la lucha de carreteras. Alors n'hésite pas à tout donner. Ça va être chaud. Putain, j'ai des étoiles. Putain, ça va être chaud d'avoir 3 étoiles. Pour impressionner El Campeón. Bravo. El Campeón est prêt à te prendre comme disciple. Félicitations. Vas-y, on fait les vraies courses.